C'est vrai que ça rapporte pas mal. On va voir si on peut s'acheter un petit camion, tu vois, une petite camionnette pourrie, quitte à revendre le pick-up. Quitte à revendre le pick-up. On va voir. Alors, vendeur de camion. Faut qu'on caisse, c'est combien? J'ai combien déjà dans mon inventaire? Je crois que c'est 75. Le camtar que j'ai là. 4x4. Lui, il a combien? 150 de capacité, c'est pas énorme. 30 000 d'achat, ouais, pour 30 000, autant partir sur ça. Hein. Pff, les prix, quoi. Il me trouve le cul, les prix, quoi. 150 de capacité pour 30 000. J'aurais jamais les 30 000. Putain, Bonjour j'ai monsieur. Bonsoir, monsieur. On fait peur, hein. Putain, vous êtes tout noir dans le noir. Ah ouais, mais c'est parce que je suis indiscret, monsieur. Je veux pas qu'on me Ah, vous reconnaisse. êtes J'ai peur vachement de. discret, oui. Ah ouais, le problème c'est que la police et moi on fait pas vraiment amis, donc c'est pour ça que j'agis en discrétion dans tout ce que je fais, monsieur. Ah oui, j'imagine, putain, vous avez un sacré masque, attendez, bougez pas. Oh putain. Vous avez trouvé ça où là? C'est vachement classe. Monsieur. C'est vachement classe, c'est Halloween, dites-moi. C'est pas Halloween, monsieur, c'est pour éviter qu'on voit mon visage, tout Ah simplement. d'accord, ok, autant pour moi, autant pour moi. Absolument que je cache toutes les parties de mon corps, donc à part le cou et un petit peu de mes bras, ça ira bien pour aujourd'hui. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites de beau, monsieur, alors dans le coin? Vous voulez acheter un gros Je suis venu camion? discrètement sur un terrain parce que je recherche des civils pour travailler pour mon dos. Ah ouais, bah bon, moi je suis preneur. Présenté quand même, je suis Vador Charconi, représentant de la French Connection. D'accord, très bien, bah moi je me présente, je m'appelle Blamey Jensen. Hein. Voilà mon passeport. Bah c'est gentil de votre part, bah moi je suis tout à fait ouvert à votre proposition. Hein. Ah, je sais bien. Voilà, j'ai vu au loin que vous aviez un pick-up, je me suis dit peut-être que monsieur cherche Ah pas, donc. oui, tout à fait, je cherche du travail, oui. Ce que je vais proposer, c'est qu'on aille un peu plus au calme. Bien sûr, vous voulez monter peut-être dans le pick-up, je ferme les Allez, on va fenêtres. faire comme ça, voilà. Ouais, allez-y, allons, on y va alors. À plein. Ah, excusez-moi. T'as fait que ça hier? Oui, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais la place de devant, voilà. Ah, je sais bien. T'as bien, attendez, hop. Voilà, je vous écoute. Alors écoutez, j'ai Salut plusieurs Tony! Yo, à trop, ça possibilités va ou quoi? Mais à tranquille, vous hein. proposer pour aujourd'hui. Économise Vu que je vous direct connais pas, pour je un vais vous Zamac, ouais. prêter la possibilité de vous prêter un véhicule, j'ai Oh, il la te faut le permis possibilité de aussi, vous putain, prêter ouais. Ça va, monsieur le d'armes Portos? Monsieur légales, Michael, comment dominicales, allez-vous? j'ai la possibilité de vous-même vous faire un petit prêt si j'ai besoin d'argent. Ah oui, bah pourquoi pas. Moi, tout ce que je veux, c'est voir votre façon de travailler, donc de près ou de loin, je surveillerai de façon. D'accord. Donc si je vous prête quelque chose, si j'ai confiance en vous, Salut, je vous monsieur prêterai A. rien. Oui, mais il n'y a pas de Pourquoi souci. Hein. Vous pouvez, hein. donne la confiance la première fois, monsieur. Mais après, je suis trahi une fois, c'est fini après. Il n'y a plus de travail. Oui, mais vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas, ça. Un pick-up équipé d'un GPS et tout, vous êtes bien loti, vous, quand même. Oui, Bravo. on va dire ça comme ça, oui. C'est le pick-up de mon père, hein. Il est décédé, hein, Par contre, malheureusement. je peux mettre le chauffage un peu plus de mon côté, parce que vous, à 7 degrés ou à 2 degrés, ça caille. Oui, pas de soucis, mais je mets ça tout de suite. Hein. Merci, monsieur. Je vous J'augmente un propose, petit c'est peu. d'aller rapidement dans Attira, parce que je viens d'Attira, là, j'ai pas vu de policier pour l'instant sur la zone d'Attira. À la limite, Ouais. on va aller sur Attira, et le temps d'aller sur Attira, je vous laisse réfléchir sur qu'est-ce que vous préférez faire. Soit je vous prête un véhicule, soit je vous prête un véhicule avec des sous, soit je vous fais du traitement, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Bah Dans tous juste un les cas. véhicule, moi ça me va, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement comme Si vous partez sur un véhicule, ouais. Moi personnellement, si vous partez farmer avec un de mes véhicules, attendez, je vais regarder la bourse pour ce qu'elle est plus rentable à ce moment. Je sors de ma tablette, je crois. Oui, allez-y. Hein. La cocaïne, On va l'héroïne, c'est peut-être trouver bien. quelque chose là, hein. Un petit truc intéressant là. Ça pue l'enlèvement, je serais jamais Attendez, il y a le monté verre qui avec. est pas loin. Moi, ce que je vous Ouais, conseille, c'est quand t'inquiète, même monsieur le verre, Niskozar, parce qu'on t'inquiète. va vite. Vous avez la licence de verre, monsieur, ou pas? Pas du tout, non. Malheureusement, je n'ai pas la licence de verre. Regardez à combien elle est. Mais j'ai la licence de pétrole, si vous voulez. Hein. Et combien le pétrole? Oh, il est pas mal au niveau de la bourse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec un bon camtar, à mon avis. Et ouais, il est juste pas mal. Hein. Et le diamant aussi qui est pas mal. On est loin du la gold. Voilà.
Ah, on va pas tirer sur du verre. Très bien, très bon, bien. Le véhicule, s'il vous plaît. Hop. Bon bah je vais ranger mon véhicule dans ce cas, monsieur. Rangez votre véhicule, je vais le ranger dans le garage. Je vous transmets des informations par téléphone parce que je veux pas communiquer par. Bah, sinon vous avez peut-être une fréquence radio, j'ai une radio. Justement, je vais vous la communiquer, mais tout par téléphone en fait. Très très bien, très très bien. Bah, je vous donne mon numéro quand même. Tenez. Vas-y, monsieur. Alors, vous avez que de quoi noter? Tiens, mettez-vous sur le capot. Je hein. prends, je prends, je prends. Mettez-vous sur le capot, hein. Mettez-vous à l'aise. Ouais, je vais mettre là. Alors moi c'est 06. D'accord. 32 47. Ouais. 12 27. D'accord, ok, c'est bon, c'est noté. Voilà, comme ça vous pouvez envoyer un petit SMS. Pas de soucis. Donc là, par contre, ici, par contre, j'ai notre véhicule, c'est derrière. Oups, oui, tout à fait. Bah, je suis pas trop habitué hein. À Tira, c'est pas vraiment ma ville. Moi, je viens de Kervalent. Je déteste cette ville. Ouais, moi aussi. Hop. Bon, bah, y a peut-être moyen de se faire un petit billet là. Y a peut-être un moyen. On a vraiment de la chance. Voilà. Ce que je vais vous proposer, c'est ce type de véhicule. Ouais. Non, non, c'est pas mon vrai numéro, hein, les gars. Rêvez pas, c'est pas mon numéro. Hein. Non, mais dis donc. Attrapez-les. Ouais, j'attrape ça. Voilà. Oh, vous l'avez retrouvé? Ouais, ouais, mais attendez, je la cherche parce qu'en fait, je suis très mauvais pour rattraper. Ah, mais elle est là. Elle est par là, monsieur. Ah, attendez. Juste là, je la vois là. Voilà. Vous la voyez? Moi, attendez. Ah oui, c'est bon, j'ai la récupéré, merci. Ah, c'est parfait. Allez-y, on prend le véhicule. Ah oui, c'est du joli véhicule, ça. Vous avez une pioche ou pas? Oui, oui, j'ai une pioche. Alors, faut savoir que sur ce véhicule, allez-y, montez en tant que conducteur, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Ah oui, d'accord, le... Ah oui, c'est... Ah oui, d'accord. Moi, j'ai... Ah oui, c'est pas un véhicule français, ça, un peu de partout, j'ai des contacts un peu de partout, du coup, j'ai pas mal de véhicules étrangers, en fait. Donc du verre, alors je vais directement à la carrière. Là vous allez à la carrière. Moi je vais vous laisser là. Ah d'accord, mais par contre je n'ai rien pour payer la licence malheureusement, je n'ai pas de... Écoutez, il y a deux solutions, c'est soit je vous avance les sous et vous je vous rembourse avec le... Après. Oui bien sûr. Moi je viendrai vous traiter le table au doigt. Honnêtement, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, donc je préfère vous avancer. Oui, bah avancez-moi alors, ça va plus vite comme ça. Moi, je vous rembourse sur le. Bah, je suppose que vous allez prendre quand même un pourcentage, quand même, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est normal. Tout à fait. Bon, bah, à combien elle est la licence, dites-moi? On va aller voir la préfecture. Elle est juste là, ça tombe bien. Pas trop tout ce qui est mairie, tout ça. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Alors, sur le papier, c'est écrit quoi là? Ah, j'ai pas accès, moi. Alors, oui, tout à fait, c'est 12 000. Alors, par contre, j'ai déjà 6 000, moi, en banque. Donc, à la rigueur. J'ai 6 000, donc je suis voilà, passé ça fera... ouais, 6 000. Assez à près de 8 000 dollars, je pense que ça serait. Très bien, bah, oui, oui, tout à fait. Bon, faut voir avec la banquière, hein, je sais pas si elle va être. Vous ayez de quoi manger, boire. Merci, José El Tacos, pour ton follow. Bienvenue à toi. Bonne année, bien sûr. Oui, oui, très bien, il n'y a aucun souci. Et tu mille. Vous voulez peut-être une caution au cas où je casserai le véhicule? Ah, mais vous savez, vous m'avez donné votre passeport donc. Oui, donc c'est pas ça suffira. J'ai mon téléphone donc moi j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Vous voulez que nous sommes bien, oui, d'accord. Avec. Moi je dis, quelqu'un teste le numéro. On a quand même bien équipé. Avec un peu de chance, c'est le sien. On a des traceurs, on a des couteaux encrypter des téléphones, de trouver les positions GPS grâce à la data. Salut Guigui, comment ça va? Oui, oui, y a pas de soucis. Si vous êtes pas correct, je saurai vous retrouver. A plus, Arca, bon courage. On va pas beaucoup discuter. Et moi, le but, c'est de discuter un bout de temps avec vous. Je préfère bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah non, non, ça se passera bien, je vous assure. En sachant que là, je vous envoie sur le légal, mais moi, ça plus, j'ai pas que ça. C'est pas bon. Pas méchant, moi, je connais pas à qui appartient ces champs, donc je prends pas de responsabilité sur les champs là-bas. Par contre, nous, on a d'autres champs, je vais pas vous donner. Oui, bien sûr. Ce qu'il y a dessus, mais voilà, on fait travailler certaines personnes sur des produits un peu moins légaux, je dirais. Oui, bien sûr, mais moi je veux bien aussi travailler ça, dessus. Hein. Cette partie sera remboursée. Oui, oui, bien sûr, ce si qui est vous normal. Vous êtes intéressé de vous faire de l'argent très rapidement. Ah oui, y a oui, oui, tout des à fait. Moyens, avec la Fudge Collection, on a des moyens très intéressants de faire ça. A plus, Arca. Du coup, vous avez la pioche. Oui, oui, tout à fait, j'ai la pioche dans de le sac. De quoi boire, de quoi manger. De quoi boire, de quoi manger. De la licence. Oui, bah, j'y vais. Merci beaucoup pour le prix, monsieur. Hein. Je vous envoie la fréquence radio. Attendez, je vais sortir un peu de monnaie aussi. Ce serait pas mal.
Hop là. Voilà, pour éviter toute oreille, je vous ai envoyé une fréquence radio par Ah, vous téléphone. pouvez me la renvoyer, excusez-moi, parce qu'il y a eu un bug de SMS. Mon téléphone est vraiment cassé. Donc je reçois une fois sur deux les messages. Pas de problème, je vous la renvoie tout Ah, de suite. c'est gentil, merci. On va pouvoir racheter la licence 166.6. Alors, la licence de sable, c'est ça, hein, que je prenne pas n'importe quoi. Voilà. Alors, on va la sortir. Et je rentre la licence, la fréquence. Et j'ai fait un test radio. Allo, allo, vous m'entendez? Ouais, c'est reçu, terminé. Alors, comme je vous disais un peu, je pense que vous avez compris un peu ce que je fais ici. Moi, personnellement, moins on me voit, mieux je me porte. Bien sûr. Je vous dis, je suis recherché, donc me balader dans la Tira, c'est pas tous les jours. Moi, ce que je vous propose, c'est que derrière, on traite par téléphone, radio et par virement bancaire directement pour les remboursements et les taxes. Très bien, très bien. Et c'est comme ça que ça se passera mieux. Oui, par virement, c'est très bien. Hein. Voilà. Salut moi, Gostom. Sors, rarement de ma maison. Alors, pour sortir la radio, faut que tu configures ça malheureusement dans tes touches. Moi, j'ai mis des touches que je préférais, donc je me rappelle plus des touches. Oh, oui, il n'y a pas de souci, monsieur. Du coup, je vous laisse partir farmer tranquillement. Très bien. Et puis, j'espère vous revoir sur travaux mieux, enfin, des travaux. Des missions, je dirais, bien plus importantes au niveau financier pour vous et pour nous aussi. Oui, oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Cette mission sera remplie avec brio, monsieur. Je vais y aller. Je vais y aller immédiatement. On fera le point. On fera le point ensemble après. Très bien. À plus tard. À plus tard, monsieur. Bonne route. Soyez prudent. Merci. Voilà, c'est parti. Hop. Ah, je crois qu'ils se font engueuler. Hein. Alors, le sable, c'est où? Cette carrière de sable, c'est là-bas. Putain, par contre, la route. Ça va être la merde pour y aller. Hein. Par contre, j'ai jamais conduit de véhicule comme ça. Putain, mais ça avance pas. Attends, il y a une contenance dedans. 150. C'est pas grand-chose, hein. Ah, il fait un bruit. Ah, mais il avance pas, ce machin-là. C'est un taco. Qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Mais il refile la pire des merdes là, non? Mais ça n'avance pas, mon dieu! Attends, je suis au maximum là? Ça va être la galère. Salut monsieur Evo, bienvenue à toi sur les 4TV. Bonjour à tous les 4. Moi et mes potes, nous te regardons depuis 30 minutes à peu près, car nous créons une team de streamers. D'accord? Nous avons entre 1000 et 3000 follow, et nous jouons à Arma 3, GTA 5, et plein d'autres jeux. Si ça t'intéresse, nous fournissons le TeamSpeak. Nous avons aucun kikou, car les gens sur le TS ont entre 18 et 28 ans. Mais pourquoi pas Et vous, bienvenue à toi déjà, et puis bah, il n'y a pas de souci, bah, je prends ça en note, c'est gentil en tout cas de le proposer. Bah, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un message en Wisp, comme ça j'ai ton pseudo. Et puis dès que j'ai fini le live, j'en discuterai, il n'y a pas de souci. Il est basé sur le camion qui va à 120, d'accord. iSnake, salut à toi en tout cas, bienvenue sur les 4TV. Bah ok, pas de soucis, bah je vais en discuter avec mes gens qui font la réunion dans ma tête. Non, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Envoie-moi un message dans le en Wisp, comme ça au moins j'ai ton pseudo. Que je l'oublie pas parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et putain, il avance pas. Ce truc roule à 100 km/h maximum. On regarde un petit peu l'intérieur, tiens. Des classes quand même, hein. C'est un Ford, ah ouais. Vachement classe, honnêtement, vachement classe. Tiens, j'ai envie de rouler en troisième personne, mais c'est la galère, hop là, voilà. En privé, tu veux dire, oui, oui, tout à fait, hein. Tu m'envoies un message en privé, y a pas de soucis, Evo Games. Et comme ça, j'ai ton pseudo et puis on pourra discuter par Wisp juste après le live à 19h. Bon, alors là, l'objectif,
comme d'habitude, c'est de s'enrichir. Là, on a eu de la chance. Il y a un mec qui nous a proposé de travailler pour lui, en fait. On va aller faire du sable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double aller-retour. Pour essayer de rentabiliser au max le truc, là. Yo, monsieur Sentou. Comment allez-vous? Bienvenue à vous sur iCat TV. J'espère que vous allez bien. Bonne année, bien sûr. À ceux qui rejoignent le live, n'hésitez pas à discuter dans le chat, c'est fait pour ça. Oula, oula, oula. Oula. Voilà, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Alors, où est-ce qu'on est là? Je un petit peu. Oui, je ne suis pas du tout parti dans la bonne direction. Je ne suis pas du tout parti dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a de la musique dans ce transit? Sûr, bon, c'est... On met la radio ou pas? On met la radio. Allez, c'est parti. On voit, on zappe. Ah ouais! Ah ouais, de la bonne musique dans ce transit, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Moi j'aime bien. On se met un petit peu de musique tranquillement. Yo, monsieur Troll HD, comment tu vas? Fais attention, le sable est revendiqué en ce moment. Sérieux? Oh, ça pue ça! Salut aux arrivants, hello, comment allez-vous? N'hésitez pas, hein, les amis, hein, je le rappelle encore, à discuter en chat. C'est fait pour ça, il était à droite du lecteur. Ou pour ceux qui sont sur tablette ou smartphone, c'est en bas tout simplement du lecteur. Donc n'hésitez pas à discuter. Si vous avez des questions sur le serveur, si vous avez des questions sur la TV, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Alors c'est par là ou pas? Oula, 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 oula. On va essayer de pas le casser son machin parce que si on lui pète, je pense qu'il va nous péter la gueule. Ouais, bon, je sais pas si c'est la bonne route, mais on verra. Ça manque de gros moteurs, les camions de 23. Bah, en même temps, un camion qui roule au-dessus de 150, c'est un gros camion quand même. Hein. Tu sais qu'en France, un camion est limité à 90 km/h au maximum hein, sur autoroute. Hein. Les gros camions, hein, je parle des semi-remorques, hein, tout ce qui est PL et SP. Là. Ils sont obligés de rouler à 90, donc bon. Ça sert à rien d'avoir un très très gros moteur, c'est pour rouler à 90. C'est ce que je veux dire. C'est comme si t'avais une Porsche et que t'allais sur l'autoroute. Alors voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est rageant quoi. T'as une putain de bagnole, mais tu peux pas en disposer comme tu le désires. Merci monsieur Evogame pour ton flow, c'est très gentil, bienvenue à toi. Bonne année, bonne santé à toi bien sûr et à tout ton entourage. On se privera pas de souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier. Inclus. tu vois quel âge, tu viens d'où, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es tout seul, pourquoi tu changes de serveur, voilà un peu de troll. Alors je vais répondre quand même à tes questions, même si c'est du troll, tu vois, moi j'aime bien répondre aux questions. Alors tu vois quel âge, j'ai 22 ans, tu viens d'où, je viens de Paris, pourquoi tu fais ça, parce que j'adore l'animation tout simplement, je suis pas animateur hein, de base, hein. J'apprends sur le tas comme beaucoup. Pourquoi tu es seul? Je suis pas seul, hein. Qui t'a dit que j'étais seul hein? Je suis pas seul dans ma tête, hein. Ok. Alors, on est au moins 5, et en ce moment, il se dit 8, alors fais attention. Hein. Voilà un peu de troll. Et pourquoi tu changes de serveur hein? J'ai pas changé. Tu changes pas de serveur? Parce que j'aime bien ce serveur, voilà, tout simplement. Hein. Vivement l'entreprise, en tout cas. Ah ouais, carrément, sans déconner, je rêve d'avoir l'entreprise. J'en ai rêvé cette nuit, putain. Non, mais sans déconner, l'entreprise, elle va tellement tuer, quoi. Oh. On va faire une entreprise de sécurité civile. On s'en masse boulesse quoi. Dans Euro Truck Simulator 90, c'est la vitesse minimale pour moi. Bah ouais, non mais en même temps, dans Euro Truck, t'as pas envie de respecter les... Tu vois ce que je veux dire? Les limitations de vitesse, t'en bats les couilles un peu, tu vois. Je sais pas si tu peux te faire choper dans Euro Truck, si la simulation est aussi poussée que ça, au point de pouvoir te faire choper par les flics. Ça doit être excellent ça. Te faire choper par les flics, normal. Oh putain. Voilà, tranquillement, tranquillement. Je change de main parce que je commence à avoir mal au doigt. Voilà, c'est bon, hop. Il change par cas. Je suis là. Voilà, exactement. Non, mais c'est même pas parce que t'es là. Sans déconner. C'est grâce à toi d'ailleurs hein, que j'ai trouvé le serveur. Si tu m'aurais pas proposé, honnêtement, je pense que j'aurais jamais trouvé le serveur. Et je pense que je serais passé à côté de quelque chose. On va tourner par là en fait, on va faire demi-tour parce que c'est pas du tout la bonne route. C'est royalement trompé de route. Des flashs, c'est tout. Des flashs? Ah, tu peux te faire flasher dans Euro Truck. Ah ouais, jamais joué à Euro Truck. Ouais, peut-être qu'un jour je m'y mette pour voir ce que ça donne un peu.
je t'envoie des messages, mais ils me disent que ça ne marche pas. Merde. Bon, alors t'en bouge pas, je vais le noter quelque part. Tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais te follow, ça va aller plus vite. Merde. Tout va bien, monsieur, sur le couvert de sable, là. Oui, oui, tout va bien, monsieur. Absolument. Hein. Pour le moment, j'ai rencontré personne. Hein. Ce que j'ai entendu dire, par contre, à la radio, là, comme quoi... Vous recevez ? Oui. Merde. Oui, je vous recevoir, tout à fait. Tout va bien pour le moment, hein. Tout va bien. Par contre, j'ai entendu à la radio, apparemment, que le sable était revendiqué par des malfrats. Je prends le contrôle de ça, vous inquiétez pas pour ça. Bien reçu. Attends, on va se mettre sur le côté vite fait, comme ça je prends ton TS, voilà, ça va aller plus vite. Je prends ton TS, t'as raison. Voilà mon TS, voilà, je te prends même ton pseudo, comme ça va plus vite aussi. Toc. Toc, je le mets là, voilà, comme ça. Non, je le mets pas là, parce que sinon il va disparaître. Hop, on va prendre un petit bloc-notes, voilà, on va faire ça. Hop là, voilà, nickel. Communiquer avec quelqu'un à la radio ou pas? Pardon? Vous parlez de radio, vous êtes avec quelqu'un d'autre, tu mets une radio? Ah non, absolument pas, non, je parlais de la radio dans le transit. Ok. Dans le véhicule. Ah, j'aime bien écouter RFM sur la route. Ouais, mais ils aiment bien pirater les radios, je crois, ce groupe-là. Ah, c'est peut-être possible. C'est vrai qu'ils avaient pas une voix d'animateur, oui. Vous me faites. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. C'est pas con ça. Salut Midrax, la forme est toi tranquille, au calme. Est-ce que vous allez bien, monsieur Midrax? Salut mon coach, comment tu vas? Comment allez-vous? T'inquiète, ça va monter un bon truc avec la team au calme. Mais bon, pas le choix. Faut bosser. Ah bon? Ah ouais, non, mais faut bosser à fond comme des porcs. Je pense surtout parce que il y a un autre médecin de malade. Sérieux? À ce point-là? À ce moment-là, je suis dead. J'ai fait une nuit blanche avec le live de Livio. Et toi, ça va, mon cochon? Ah ouais, d'accord, monsieur, il est défoncé, quoi. Alors, Evo qui nous dit, donc, je serai dispo à partir de 18-19h ce soir. Donc, je te dis ça ce soir. Pas de soucis, je passerai ce soir tranquillement. Moi, je finis mon live à 19h. Donc, je passerai faire un petit coucou. Hop. Ouais, hey, honnêtement, on est bien dans cette petite bagnole, hein. En fait, elle est pas si mal que ça, sa caisse, hein. Je crois que c'est un peu par là. Voilà. Bon, on va la jouer réglo de toute façon. Hein. Je vais pas tenter le diable. On va la jouer réglo tranquillement. Et il passe de la bonne musique, hein, dans cette radio. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait plaisir d'avoir un bon véhicule quand même. Hop, je pense que c'est par là. Je regarde un petit peu. Ça a l'air d'être par là. Ouais, c'est bon, on va pas tarder à y arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le blinder au maximum. Hein. On va essayer de blinder au max le véhicule. On va faire un aller-retour en fait entre le traitement et la mine, histoire de renflouer encore le camion. Ça se fait un mastune. Ouais, mets-toi en troisième personne pour voir la voiture. Ouais, regarde. Et il est classe, sans déconner. Sans déconner, regardez ça. Vachement classe. Bon, il fait un peu flipper son truc, mais... Oh, sans déconner, il est pas mal. Allez, on coupe la musique. Hop. C'est mieux quand même pour le RP. Hein. On avait dit dedans. Hop, on arrive à la carrière de sable. On va remplir le camtar au maximum. Vous êtes... Putain, il a un bruit par contre. Oh. Il a un bruit, sans déconner, il fait flipper le machin. Ramasser le sable, c'est parti. Bon bah voilà, on va ramasser le sable. On regarde un petit peu la bourse, voir si on se fait pas entuber au niveau du... niveau du sable, vert, 81. Bah, tu vois, ça a même pas bougé quoi. Non, il a pas d'arme. Non, j'ai pas d'arme, rien du tout. Salut, monsieur Rayo Game. Tu as un gun pour pas être braqué? Non, j'ai pas de gun malheureusement. Hein. Camion de dealer. Non, mais c'est exactement ça, Chicken. C'est un camion de dealer le machin. C'est bon, on ramasse que dalle là. Ah si, on ramasse.
Hop, on va déposer les masses dans le véhicule. Putain, ça prend pas beaucoup de place. Ouais. Je pense que ouais, on va en mettre masse dedans. Par contre, pour le retour, il faudrait qu'on regarde un petit itinéraire. Ça pourrait être pas mal. Donc, si je passe par là, comme ça, tac, 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 tac. Là, à Sirta, je passe comme ça. Je remonte ici, je redescends. C'est mieux parce que là, ça va être le bordel pour passer ici, là, avec toute la forêt et tout, c'est la merde, quoi. Au lieu de passer par là. Ça aurait été tellement bien si ça c'était là. Ça aurait été génial. Ouais, je pense que on va faire ça comme ça. Hop, je peux en mettre 27 sur moi au maximum. Dans le véhicule, combien on peut en mettre? Sur 152 places, je peux en mettre. Je peux en mettre 60. Ah ouais, bien. 50 ou 60 ça? Ouais, c'est 50. Parce que bon, la fière, voilà, la bof quoi. Mais bientôt on aura un gun. Hein. Camion de l'argent touriste. De l'argent touriste, c'est exactement ça. Ouais. C'est un fin transit, voilà. Putain, même les roues elles sont classe quoi. Même les roues elles sont classe, regarde ça quoi. Et il tue. Sans déconner, il tue. Effectivement, c'était pas un véhicule français. Bon, ça, la récolte est annulée. Dépêche-toi, bon Dieu. Oh là là, sans déconner, on n'a pas grand-chose. Hein. Combien on peut en mettre au maximum sur nous là? 28 pour le moment. Ah, je crois qu'on est bloqué à 28. Ah non, 31. Putain, on peut en mettre de la dose. 32. Bon voilà, on est au maximum. On va aller traiter. On revient ici pour vraiment full le véhicule. Merde, j'ai pas l'habitude de monter à droite. Attends, j'entends un véhicule arriver. J'ai cru que j'allais me faire braquer, sans déconner. J'ai cru que j'allais me faire braquer. Fais gaffe, t'as soif, gros. Sérieux? Salut Tony, comment ça m'a soif? Ah oui, effectivement, putain. Faut que je mange, faut que je bois. Hop. Donc là, cette route-là, je tourne à droite, ensuite à gauche. Ah, c'est ça. Droite-gauche. Allez, go. On va fermer le véhicule, c'est quand même mieux. Toc. On va voir si on se fait un masse-boulet, hein. À mon avis, on va pas se faire énormément de thunes, sans déconner. Je pense pas qu'on va rentabiliser totalement, mais. Parce qu'on a quand même 8000 à rembourser à ce fameux mec qui nous a prêté le véhicule. Hein. Donc c'est ça qui risque d'être chiant, quoi. À mon avis. On va pas, ce trajet va pas être très rentable. Je pense qu'on va se faire 4000 au grand maximum. Et encore 4000, c'est pas mal. Mais je pense pas qu'on va se faire masse thune pour ce trajet. Oh, je pense que j'ai mal à l'épaule là. J'ai dû me froisser un muscle à force de jouer tout simplement. Mais qui se froisse des muscles en faisant rien. Où est-ce qu'on en est alors? On a quand même 5 km. Ouais, 5-6 km à faire à peu près en camion. Quand même beaucoup plus classe en première personne. Hein. Putain, il y a un temps pourri quoi, il pleut. Alors là, c'est à droite. Putain. Et je crois que arriver là-bas, c'est. C'est à droite, droite en fait. Je crois que c'est ça. Droite, droite. Musique! Allez, go! Musique! Hop, nickel. Ah, c'était pas la bonne, putain, merde. C'était pas la bonne route, putain, non. Bon, c'est le premier trajet, c'est pour ça, on s'est trompé. Hop. Merde, c'est con ça. Elle est plus rapide cette route-là. Hop. Oh! T'as le mec qui roule comme un taré quoi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe mon gars, parce que là, je sens que je vais me retourner avec le machin. Après j'aurais l'air d'un con, je vais l'appeler, je fais ouais excuse-moi, ton transit, je l'ai retourné quoi. J'ai retourné ton transit, je suis vraiment désolé.
Pour le moment, on l'a pas abîmé, donc voilà. On fait gaffe, quoi. Hop. Bon, il roule pas trop mal, en fait. Hein. Il a du mal à monter dans les tours, mais il est pas mal. Je sais pas si c'était une bonne idée de tourner à gauche. Je vais pas regarder la carte, donc je vais essayer de regarder vite fait. Hop, on va monter. Là, on va rouler tranquillement dans l'herbe. C'était la bonne direction, c'est bon, nickel. Oula, 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 oula. C'est bon. Donc voilà, je pense que on va pas tarder à arriver. 4 km, ouais, pas tarder à arriver. J'espère que ce sera rentable, hein, qu'on sera au moins 4000, quoi. 4000, quoi. Putain, si on se faisait 4000, ça ferait du bien à notre compte en banque. Hein. Parce que déjà, on a 8000 à rembourser, on a sans doute un pourcentage à lui donner. Je pense qu'il va prendre au moins 50% minimum, vu que c'est son camion. Plus la part que je lui dois, enfin, plus le prix qu'il m'a fait de 8000. Ouais, ça risque d'être tendu, quoi. J'ai plus rien sur moi, hein. Ouais, c'est bon. En fait, là, les 2000 que j'ai sur mon compte, c'est les siens, quoi. Enfin, j'espère que j'aurai assez, quand même, hein, qui me laissera suffisamment de thunes pour pouvoir la remonter. Allez, bonjour, je suis à la recherche de personnes si connaissant dans le domaine mécanique. J'ai un petit problème avec mon véhicule. Je suis pas loin de la carrière de sable. Ah, ouais. Je vais lui envoyer un message. À John. Bonjour monsieur, je suis mécanicien, j'arrive après mon traitement à la mine de sable, donnez-moi votre position GPS, hey, je fais tout, sans déconner je fais tout. Je fais tout, même la fellation, mon gars, je la fais, même, si tu veux. Pas de soucis, moi, je veux bien. Hein. Le mec, il veut gagner de la thune à tout prix, tu sais. Non, gros, c'est l'autre de tout à l'heure, hein, à coup sûr. Ouais, ouais, je sais, c'est l'autre de tout à l'heure, mais honnêtement, si on peut gagner un petit billet... Non, mais l'autre, il était à poil, il était en civil. Je sais pas si t'as vu, il était en civil, en tant que chaussette. Ça devrait le faire, normalement. Enfin, j'espère. C'est la bonne route, sans déconner. Vas-y, attends, on va tourner là. Voilà, la 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 la. C'est de rejoindre cette route là-bas. C'est génial qu'on arrive à rejoindre la route qui est tout au fond là-bas. On va faire un gros tour. Ah, Dak, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ouais, il était à poil, donc on va voir ce que ça donne, Tony. Hein. On va tenter. Hein. Ah, enfin une personne qui pourrait m'aider. Merci monsieur Santo pour ton follow, bienvenue à toi dans les 4 familles, en plus t'attends juste le drop, nickel. qui pourrait m'aider? Je suis actuellement en 086-211. Ok monsieur, c'est monsieur Jarconi, vous me recevez? Tout à fait, je vous reçois. Je reçois 5 sur 5. Si tout va bien, vous en êtes où, s'il vous plaît? J'arrive au traitement en ce moment-là. Ok, parfait. N'hésitez pas à faire le double aller-retour, c'est plus intéressant. Ah oui, tout à fait, c'est ce que j'ai l'intention de faire. 086-211, le mec. 211, putain, il est où, le mec? Ah ouais, il est là, le gars. Il s'est pété la gueule ici. Attends, on va mettre un point. Je vais mettre ici. Voilà. Et puis on ira après. On ira après le traitement. Salut Karmart, comment tu vas? Et salut le chat. Bon stream à toi, Trushkata, tout à l'heure. A plus le chat. Bonne journée, bordel, qui nous dit, ami. Ciao, ciao, à tout à l'heure, ami. À 16h, bah, dans une petite heure. Ah, c'est vrai qu'il faut se manier le cul parce que y a la tempête, hein. Dis-moi seulement si vous le pouvez lorsque vous partez votre traitement.
J'arrive, monsieur. Voilà. Ah, monsieur, monsieur John. Voilà. On va se manier le cul parce que là, en fait, on est en pleine pampa, on perd plus de temps qu'autre chose. Ce serait bien de rejoindre une petite route là. Enfin, la petite route qui est juste au bout, voilà, nickel. On va la rejoindre tranquillement histoire de pouvoir remonter directement. Ouais, merci, pas de soucis. Oh, attends, eh, oh, il va attendre un petit peu quand même. Hein. De toute façon, il est dans la merde, donc il peut pas avancer, il a pas de quoi réparer sa bagnole. J'ai un repair kit, mais bon, ça me fait chier parce que il y a intérêt que ça soit bien payé. Hein. Maintenant, il y a intérêt que ça soit bien payé parce que sinon. Oh. Ça va chier sinon. Le mec vénère. Sinon, ça va chier, putain. Non, mais il y a intérêt qu'il paye bien parce que sinon, ça sert à rien. Sinon, j'y vais pas, quoi. La route a été juste là en fait. Depuis tard, je me fais chier pour rien. D'ailleurs, je me fais chier littéralement pour de la merde. Et roule, bon Dieu. Tu roulais plus vite tout à l'heure, hein, le camion là. En plus là on est en montée quoi, laisse tomber, on peut plus. Et il a plus d'essence déjà, t'es sérieux? Oh là là, il consomme à mort celui-là, dis donc. Hop, allez, on coupe la musique tranquillement. Au mec, tu lui demandes de l'argent avant de réparer son véhicule. Ouais, t'inquiète pas. Point d'information serve. Monsieur Arsou, c'est pas ça la commande. C'est point d'exclamation Altis si tu veux savoir. On est sur le serveur Shark Life. Fais un point d'exclamation Altis dans le chat, tu trouveras l'ETS. Et le forum du serveur. Le type est en tong, il va te donner de la thune. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est chaud, ça sent l'embrouille, gros MDR. Après, je sais pas, t'as peut-être raison. Je sais pas, on va essayer, tu vois ce que je veux dire. On va tenter le coup, quoi. On va tenter le coup, quoi. C'est pas du tout par là, quoi. C'est de l'autre côté, quoi. Voilà, tout à fait, quoi. Tourne, putain. Et il consomme pas mal, hein, ce petit camion, quand même. Hop. 1,8 km, on devrait pas tarder à arriver, on va essayer de se manier le cul, hein, sans déconner. On a une tempête qui est prévue à 16h. On évitera de rester sur les routes. Il vaut mieux se réfugier hein, pendant la tempête, c'est mieux quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent des tempêtes sur le serveur. Hein. Il y a des tempêtes toutes les 4 heures. Hein. C'est une île qui est assez instable. Hein. Il y a souvent des tremblements de terre. Je crois que c'est là qu'il faut tourner à gauche. Ouais, c'est ça. Hop, tournons à gauche. Tempête de quoi? Une tempête de cailloux. Et c'est une tempête de grenouilles, monsieur. C'est une tempête de grenouilles. Ladies and gentlemen, j'ai entendu dire qu'il y avait une tempête de grenouilles prévue en ce moment. Elle est en train d'arriver, elle est au niveau de la Grèce. Elle va pas tarder à arriver sur la petite île d'Altis, messieurs, dames. Donc rentrez chez vous. Terminé. Over. N'importe quoi. Bon. Oh là non, pas l'arbre. Non. C'est pas possible. J'ai pas... Non. J'ai crevé une roue, non! Deux roues! Oh non, merde! Dis-moi qu'il y a quelque chose de dans le cargo. Il y a une roue de secours. Bon, c'est pas grave, on va le réparer. Et là-bas, on verra si on peut. Chaud! Ah ouais, non, mais là. Ah, ça merde. Est-ce que là-bas. Putain, il n'y a rien! Il n'y a même pas de station essence, que dalle! On repassera à Sirta, je pense qu'à Sirta, on. Ah, mais il y a une station essence! Je pense qu'on pourra acheter, on fera le plein et en même temps on achètera un truc. On va lui envoyer un message après, on va lui demander pendant le traitement, on va lui envoyer un petit message pour savoir si. Pour savoir s'il a. Ce qu'il a exactement comme problème. Putain, il fait une sortie de route, laisse tomber. Ici c'est de la merde. Hein. Tu fais des trucs en conduisant. Tu fais trop de trucs en conduisant, normal. Non mais voilà. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas à reproduire dans la réalité, les amis. Hein, surtout de... Il ne faut pas téléphoner et conduire. Voilà, c'est pas bien. Ça pose de problème de téléphoner et conduire, comme vous pouvez voir. Sauf que moi, je téléphonais pas en fait. Moi, je regardais le chat. Mais voilà. On dirait que c'était le téléphone. Pour le roleplay, bon Dieu. Allez. 900 mètres. On va pas tarder à arriver.
on va pas tarder à arriver, c'est nickel. C'est juste là en plus. Ah, c'est juste là. Nickel. Alors, on va pas recasser le véhicule, ce serait bien. On va essayer de faire un peu plus attention, mon dieu. Hop. Traitement du sable, vite. C'est où le traitement? C'est là. Vite. Alors, on va lui envoyer un message. Ah ouais, on peut pas, merde, pendant le traitement, fait chier. Tu fais... donc voilà, c'est la merde, quoi. C'est la merde, quoi. Ouais, on va voir. Il est où? Est-ce que le point ici s'est enlevé? Non. Nickel. Après, j'irai à la carrière de sable, je remplirai encore mon camion, je referai un autre traitement. Faut que je repasse absolument par Sirta. Je crois que j'ai une mission aussi, à DP8. Ouais, je crois que j'ai une mission à DP8. Bah, peut-être que... Je sais pas si j'irai. Je sais pas si j'irai, honnêtement... Je me tâte. Je vais lui envoyer un petit message. Hop, je vais lui envoyer ça. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui demander s'il a pris une roue. Voilà. Alors. Ah, ça fait du verre. Ok. Ok. On se mal le cul. Putain, j'ai pas, j'ai pas pu voir son message. Fais chier, merde. J'ai pas eu le temps de voir son message, mon dieu. Quand tu spams, ça passe pas, quoi. Hop. On va lui envoyer un message, on va lui demander. Hop, je lui demande s'il peut renvoyer sa réponse parce que bon. Voilà. Traitement du sable. Voilà. Tu sais pas aller voir. Par après? Non, on peut pas. Deux roues. Oh putain, il a crevé deux roues, le mec. Comment je vais faire? Merde. Ok. Non, on peut pas revoir les messages. C'est ça, ça, par contre, faudra que je demande. Faudrait que j'en parle peut-être à Chris. Ou un des fondateurs, pour savoir s'il n'y a pas possibilité d'avoir peut-être un petit chat à un endroit. Vraiment tout petit, hein, pour l'immersion, c'est quand même mieux. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont quand même quasiment, enfin, complètement retourné le chat. Donc c'est bien pour l'immersion, pour le roleplay, c'est génial. Le problème, c'est que si jamais quelqu'un t'envoie un message, et que, bah, comme moi, tu vois, tu spams, et que ça bug là-haut, bah, ça fait chier, quoi. Voilà. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire que j'arrive. Peut-être en t'achetant un téléphone. J'ai un téléphone, en fait. J'ai un téléphone, déjà. Mais je sais pas pourquoi ça... Ça se retire là-haut en fait quand je spam, que je transfère des objets ou des trucs comme ça. Faudra que je voie. Faudra que je le signale ça. C'est un Jonesy Engineering. Classe quand même. Hein. Vraiment le mec. Hein. Classe. Putain, j'ai même pas. Je l'ai même pas rempli son truc. En vert quoi. Hop, je vais lui envoyer un petit message. J'arrive, monsieur. Il est où? John Kirk. Hop, voilà, nickel. Merci, monsieur Saba, pour ton follow. Bienvenue à toi aussi dans la quête Family et sur la quête TV. Bonne année, bonne santé, bien sûr. Salut qui nous dit dans le chat, monsieur. Ouais, donc, il sert à rien, quoi. Ouais, un truc de réglé, alors. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi ton meilleur don? Mon meilleur don, si je dis pas de bêtises, c'était 25 euros. Ouais, c'était 25 euros. C'est vrai que je l'ai pas mis dans la description. Hop, on va aller directement sur lui quoi. Ça a été 25 euros. On m'a fait des dons de jeu aussi. C'était super gentil. D'ailleurs, je les remercie à chaque fois que je peux les croiser. Bah, vous avez de toute façon les noms de toutes les personnes qui sont dans la description. Il y a les top donateurs. Et vous avez aussi, bien sûr, la petite banderole là, qui défile en haut avec tous les donateurs. Bonne année à toi. Merci, monsieur Sabas. Je t'appelle Sabas. C'est classe. Tu vois, ça tabasse un petit peu comme nom, quoi. Tout compte fait, allez-y. J'ai trouvé un dépanneur, monsieur. Je vais vous laisser travailler vu que la tempête approche à grands pas. Désolé pour les dérangements, mais merci de tout de même pour votre démarche. Quel est votre nom? Car je ne sais pas qui vous êtes. J'ai trouvé votre numéro sur la liste jaune d'Altis.
Y'a pas de problème. Bon courage. Bon courage, point. Et on va dire monsieur Bellamy. Ok, radio, vous recevez s'il vous plaît, civil. Tout à fait, je vous reconnais. Je vous suis attends présent. là. Je vous attends à la vente rapidement, s'il vous plaît. On a Ah. déjà quelqu'un qui était à deux doigts de vendre là. Donc si vous venez pas, la bourse va être cassée en deux. Bien reçu, donc je fais pas un deuxième aller-retour. Bon, vous partirez sur autre chose derrière ou on verra. Bien reçu, j'arrive au plus vite. Ok, merci de terminer. Je suis à 3 km 9 là. Bah en fait ça va plus vite de descendre de l'autre côté. Ouais, je suis con. Allez, on fait le détour alors. Putain, il nous met la pression. Il nous met la pression, putain. Il nous met la pression, mon Dieu. Vite. C'est quoi les serves? Shark Life, oui, tout à fait, monsieur Sabas. Si tu veux plus d'infos, c'est point d'exclamation Altice. Voilà, monsieur le beau gosse. Merci à toi, le beau gosse. Merci d'avoir balancé la commande. Va prendre de l'essence. Ouais, je vais avoir besoin d'essence par contre, hein, putain. Faut vraiment que j'y aille, hein. Vite fait. Faire un coup d'essence avant d'aller lui rendre le camion quand même, hein, si jamais. Ouais, y a pas de station donc c'est mort. Vas-y, je vais manier le cul d'aller à l'acheteur et puis c'est tout quoi. Je vais en manier le cul pour qu'il soit satisfait de moi, tu vois. Et que le mec il soit tellement content qu'il me laisse encore le camion, tu vois. Voire qu'il me l'offre. C'est le mec qui demande tout quoi. Je sais pas combien il coûte ton camion tailleur. Hein. Faudrait peut-être que j'aille voir. Hein. C'est vrai que je me casse pas la gueule quand même. Oh là 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 là, putain, par contre il tourne pas, hein. Il braque pas du tout. Hein. Ok, tu joues avec Baxter? Non, je ne sais pas du tout qui c'est Baxter. Je ne sais pas qui est Baxter, hein. Je suis désolé, mais. Je ne sais pas. Je crois bien que c'est son véhicule. Pas sûr. Peut-être que c'est lui, ouais. J'ai pas retenu son nom de famille en fait. Oh là là, c'est le bordel ici. Tu es sur le TS de Shark Life? Oui, tout à fait, toujours, on est obligé en fait. Tu stream jusqu'à quelle heure, monsieur Santo? Alors, on stream tous les jours, du lundi au samedi, de 13h à 19h. Et exceptionnellement, des fois le soir, de 20h à 23h, mais ça, vous serez au courant via le live de 13h. Donc voilà. Et exceptionnellement, sachez que samedi, on fera pas de live exceptionnellement, hein, parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Donc voilà. C'est lui qui t'a host la dernière fois. Ah, d'accord. Et ben non, je ne connais pas, vraiment pas. Ou peut-être que je le connais, mais sous un autre pseudo. Ou alors je ne me rappelle pas, mais. Je suis aussi sur le TS de Shark Life. Ah, il est bien, honnêtement. Hein. Putain, il tourne pas le machin, il tourne pas. Ça tourne pas, ça. Baxter la mouche sur Twitch, je crois qu'il n'est pas connecté, mais il joue sur ce serveur habituellement. Ah, d'accord, bah je ne savais pas, tu vois. Je le connaissais pas. Je suis pas trop calé hein, au niveau streamer, je regarde pas beaucoup de streams, j'en fais plus qu'autre chose. Hop, là je suppose que c'est à gauche. Enfin, je l'espère. Ouais, c'est bien ça. Bon, on est presque arrivé, on y reste 2 km, ça va, on est juste à côté. Ils ne se connaissent pas, non, je pense qu'on se connaît pas. Il fait partie de la famille de celui qui t'a prêté le. Ah, d'accord, ah bah bah non, je les connais pas en fait, c'est les gens. Ils m'ont prêté le véhicule. Je sais que c'est une famille de rebelles. La French Family, si je dis pas de bêtises. Oh là, les petits chats, comment allez-vous? Coucou, chérie, comment tu vas? Comment ça va? Vous êtes arrivé à l'heure ou pas? Dites-moi. Est-ce que votre Vegabus est arrivé? Voilà, on va recouper comme ça. Ouais. Ouais. Faut que j'aille tout droit, de toute façon. Voilà. Après, je fais un tout droit comme ça. J'ai fait un tour à la station avant. Un petit tour à la station rapide. Parfois, sans la cam, c'est mieux. Hashtag tête de cul. Ah bah, c'est gentil ça! Merci monsieur Ludofra, c'est très gentil, ça me fait plaisir. Baxter voit qui tu es par contre. Enfin, il a entendu parler d'Atrocio. Ah, d'accord. Bon, moi, je ne sais Vous avez pas. encore beaucoup de route, monsieur, ou pas?
700 mètres. Ah, c'est parfait. T'es quel métier? Alors moi je fais tous les métiers en fait, hein, je fais tous les métiers. Et bientôt on va ouvrir une entreprise de sécurité civile. Hein, avec des copains quoi. Je rigole, non mais j'espère bien. Des fois c'est mieux sur la webcam, j'avoue, des fois. Des fois ça vaut mieux. Hop, on fait vite fait en plein, rapidement. Rapidement au calme. Allez vas-y, fais plein. Pourquoi ça fait pas le plein? Pourquoi ça fait pas le plein? Merde! Pourquoi ça fait pas le plein, putain? Je comprends pas pourquoi ça a pas fait le plein, mais bon, c'est pas grave. On ira sur une autre station, peut-être qu'elle est désactivée. Ouais, ma bactère est au courant de tout. Ah, ouais, d'accord, carrément! Un stream sur la cam, ça fait vide. Bah, ouais, c'est vrai que ce serait dommage, hein. Allez, on va arriver. Vas-y, vous pouvez venir en sécurité, c'est contrôlé la zone. Bien reçu. Voilà, monsieur. Bonjour. Je vais demander de vous approcher pour vendre. Vous avez rempli votre sac, monsieur? Oui, oui, tout à fait, allez-y, allez-y. Dans votre véhicule, c'est bon. Je vais tout remplir, hop. Attendez, monsieur, pour vendre. D'accord, d'accord. Voilà, c'est bon. Ok, monsieur. Dis, monsieur Vendée. On peut y aller, monsieur. Vous êtes bien aimable, hein, d'avoir attendu. Hein. Putain, je me suis fait 6642. Je pense que vous attendez comme si vous étiez à ma place. En fait, il a pas eu le choix d'attendre. Je vais pas laisser le choix, monsieur, d'attendre. Bon, après, il a été hyper coopératif, donc c'est très bien. Tenez, je vous donne, monsieur. Je vous donne le bénéfice. Allez-y, monsieur. Et je vous laisserai faire le dégroupage. Monsieur, je peux avoir votre identité à vous, homme habillé tout en noir vêtu là. Non, nue moulante un peu bizarre. Ouais, c'est pour une tenez, monsieur. J'ai mis ça dans la totalité de la vente, c'est ça? Oui, oui, la totalité, hein, je vous ai mis ça dans le sac à dos. C'est parfait, merci. Attendez. Oh putain, il y en a un bout qui est tombé encore. Sérieux? Ah non. C'est où ça? Dites-moi parce que sinon. Ah, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Voilà, c'est bon. Parce que moi je l'avais trouvé par là, là, je l'ai cherché, mais. Pas trop. Ouais, c'est bon, je l'ai ramassé, c'est bon. Merci en tout cas, attendez, je vous dirai après ce que vous pouvez faire. Monsieur, donc vous m'avez dit Fort Sun Shark, c'est ça? Oui. Coupe le moteur aussi, hein. T'inquiète, il est coupé. Et revendiqué, pas officiellement. Faut payer un certain serveur. D'être revendiqué, apparemment. Apparemment, ces gens ça, faut payer. Sont pas très présents, pour un premier avis, vu que je suis là en train de contrôler totalement leur territoire. Mais sans véhicule et roulette. Je vais faire de même. Non, mais merci, j'ai essayé de jouer. Calculé, je crois que la famille est la plus puissante du cerveau, ouais, c'est ça. De la somme que vous venez de farmer. Oui, oui. C'est ça. Et je vous laisserai tranquille sur la reste, vu que vous avez été très coopératif, il n'y aura pas de soucis. Bon, bah, on a vraiment un temps de chien aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais c'est comme ça, monsieur. Ça fait deux jours là. Météo, hein. Ah, ouais, non, mais ça fait deux jours, c'est horrible. Ah, ouais, mais ça, c'est. Comme ça, monsieur. C'est bon, monsieur, vous avez fini? Oui. Faire votre calcul, là. Donc pour vous, monsieur, voilà, merci, c'est gentil. Là, vous pouvez repartir. Je vais vous laisser aller à Kavala, je vais pas prendre de risque. Votre radio, votre téléphone, je vous laisserai le racheter, un téléphone et une radio à Kavala. D'accord. Voilà, monsieur, c'est tout. Je vous laisse repartir, faire ce que vous avez à faire. Après, avec une personne comme vous, coopérative comme vous, si vous voulez travailler pour nous, je vais quand même me présenter un peu, je vais faire un peu Vador Charcot. Lui. Ça dépend ce que vous proposez comme service, puis votre tarif. Si je contacterai par téléphone. Il fait penser à Franklin, sérieux. Dans GTA 5. Je disais, j'aime pas dans ce coin-là, vers Kavala et tout, c'est pas des villes que j'aime. Vas-y, monsieur, je vous laisse repartir, je vais juste vérifier que vous repartiez correctement, vous prenez le chemin, vous avez tout. En tout cas, j'arrive pas à rentrer dans le serveur et je mets le bon mot de passe. C'est bizarre. Ça sera pas. Dans un t'es sûr qu'il n'y a pas un espace ou quelque chose? Essaie de regarder. Alors monsieur oui. Bella, mais... Tout à fait. Le travail a été rapide, il y a eu qu'un simple aller-retour, c'est de... Enfin, oui, simple oui. Aller du moins. Moi, s'il n'y a pas eu d'aller-retour, je pense que vous auriez pu faire un bon petit billet. Ah là, oui, oui, oui. Combien là? 6000. 6642 si je dis pas de bêtises. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal.
Alors un double, ça aurait été un peu plus intéressant. Il est... Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais, elle a vu la bourse, à mon avis. Ah, la bourse, ça commence à faire mal. Là, ah oui, oui, oui. Regardez, je vous ouvre ma tablette vite fait. Après, faut faire attention hein, parce qu'il y a une tempête apparemment qui est annoncée là. J'ai entendu ça sur la sur Météo France. Donc, tout à l'heure, je vous ai prêté 8 000 $, on est d'accord? Oui, tout à fait. Au moment de avec la tasse que j'ai pris au monsieur, etc., avec ce qui s'est passé là, je suis à 8 000 $ avec ce que vous m'avez donné. Très bien. Donc, être remboursé pour moi. Parfait, ouais, c'est parfait. Ce que je proposais était hyper coopératif et hyper rapide là sur quand je vous ai demandé de venir, c'était parfait. Parce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser mon véhicule jusqu'à la tempête. Par contre, essayez de bien le cacher avant la tempête sous un dans un garage ouvert ou quelque chose ah, comme oui, ça. Oui, bien sûr. Pour éviter qu'il soit abîmé par un. Je le laisserai chez un ami. Hein, j'ai un ami qui a un garage privé. On laissera ça tranquillement. Sécurisé, ça va. Oui, c'est sécurisé. Hein. Écoutez, salut What the Farios. Vous aviez peut-être du pétrole, enfin une licence de pétrole, quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'aller en faire. Oui. Si vous avez le temps ou pas. Ah, ouais, bah, je pense que je vais avoir le temps. Je vais aller faire ça rapidement. Le pétrole, c'est juste à côté en plus, ça tombe bien. Ouais, je pense que ce serait le mieux. Bon, écoutez, moi je vais aller récupérer mon véhicule qui est derrière et puis faites une bonne route pour le reste. Très bien, monsieur. Alors, bah, je vous souhaite une excellente journée. Et puis faites attention à la tempête, hein, surtout parce que ça est dangereux. Plus aucune dette pour aujourd'hui, monsieur. Très bien, je vous remercie monsieur en tout cas, c'est très gentil. Allez, bonne balade, et prenez soin du véhicule jusqu'à la fin. À suivre, dans le prochain épisode.